Coucou, c'est Mary. Ça y est, le carburant, il est revenu exactement au même prix que juste avant la crise des gilets jaunes. Et la réforme des retraites, hein, il va la faire avant la fin du quinquennat. Il a dit, je la ferai avant la fin du quinquennat. Et la réforme de l'assurance chômage, il va la faire, la réforme de l'assurance chômage. Hein. En fait, tout est revenu au même point que juste avant la crise des gilets jaunes. Et puis après, il y a eu la crise sanitaire. Ah bon? Alors, on ne pouvait plus se manifester parce qu'on ne pouvait plus se réunir. Mais il y a eu le vaccin, maintenant il y a le vaccin. Alors, on va pouvoir à nouveau se réunir, on va pouvoir à nouveau manifester. Et puis, il va y avoir les élections présidentielles pour le nouveau quinquennat. Il va y avoir plein de promesses, plein de nouveaux candidats. C'est peut-être le moment de les enfiler. Les gilets jaunes, c'est peut-être le moment de les enfiler à nouveau. Hein. Surtout que bon, ils commencent un petit peu à moisir. On va les aérer, hein, ou quoi que ce soit qu'il a en fût. La vie est un éternel recommencement. Hein. Et encore là, c'est pas cher. Hein. Là, c'est du discount. Hein.